Bonsoir, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Yoshua. Vous êtes en direct sur votre émission Retour à la Parole. Et nous bénissons toujours Yahweh pour ces temps de partage, ces temps d'édification. Parce que nous croyons que nous sommes arrivés à une période, à un moment où le Seigneur veut davantage, n'est-ce pas, parler à son peuple parce que les temps sont mauvais. Et toutefois, avant de commencer, nous allons remettre les moments entre les mains du Seigneur. Papa, nous te bénissons. Merci Père pour ce temps de partage. Seigneur, nous voulons, Père, nous effacer et laisser ton esprit prendre le contrôle au nom de Yoshua. Ôte les écailles de nos yeux. Amen. Alors, comme je vous le disais, vous êtes en direct, n'est-ce pas, sur votre émission Retour à la Parole. Et ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, nous allons aborder un thème. Et on va parler, n'est-ce pas, sur le péché de l'âme ou encore les péchés de l'âme. Vous savez, il y a des péchés facilement qu'on peut identifier, les péchés qui sont visibles un peu. Et il y en a, n'est-ce pas, qui sont cachés, qui sont enfuis en nous, n'est-ce pas, qui constituent aussi, n'est-ce pas, des véritables dangers, n'est-ce pas, pour notre marche. Alors, donc, en fait, quand on parle des péchés de l'âme, n'est-ce pas, c'est cette catégorie de péchés qui sont cachés, n'est-ce pas, parce que c'est enfoui en nous, c'est caché en nous, mais que les gens ne peuvent pas facilement voir. Alors, ce sont les péchés, le plus souvent, n'est-ce pas, qui se gèrent entre l'homme, n'est-ce pas, et Yahweh. Et vous voyez un peu, dans Jean chapitre 8, la Bible nous parle, n'est-ce pas, d'une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez un peu, c'était un péché, n'est-ce pas, qui était flagrant, et puis les gens ont pu mettre la main sur elle. Mais il y a une catégorie de péchés, n'est-ce pas, qui sont cachés en nous, mais qui causent, n'est-ce pas, d'énormes dégâts dans notre vie, qui nous empêchent, n'est-ce pas, de pouvoir avancer ou encore de pouvoir saisir ce que le Seigneur veut nous communiquer. Alors, ces catégories-là, ces péchés-là, n'est-ce pas, hein, font partie des péchés de l'âme, ces péchés qui sont enfouis. Vous savez, la Bible dit que le cœur, n'est-ce pas, est le siège de nos émotions. Vous voyez un peu, et l'âme est le siège de nos émotions. Donc, nous devons, n'est-ce pas, veiller sur nos émotions. Nous devons les contrôler, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à les dominer. Parce que si nous ne dominons pas nos émotions, frères et sœurs, alors, subtilement ou petit à petit, nous allons nous éloigner, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, un passage assez clair qui nous parle, n'est-ce pas, des gens qui ont marché avec le Seigneur, des gens, toutefois, qui ont expérimenté les bienfaits du Seigneur, mais qui, au bout d'un moment, n'est-ce pas, à cause de la convoitise, se sont détournés, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur. On va aller dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, à partir du verset 18. Voilà, dans Nombre 11, à partir du verset 18. Oui. Alors, la Bible nous dit, « Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de Yahweh en disant, « Qui nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Égypte, ainsi Yahweh vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni deux, ni cinq jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté Yahweh qui est au milieu de vous, vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moshe dit, « 6 000 hommes de pied forment ce peuple, au milieu duquel je suis, et tu as dit, « Je leur donnerai de la viande, afin qu'ils en mangent. » Un mois entier. Leur tuera-t-on des brebis ou des bœufs, en sorte qu'il y en ait, il y en a eu assez pour eux? Ou leur rassemblera-t-on tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Yahweh répondit à Moshe, la main de Yahweh serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moshe, bien sûr aussi, quand on parle de Moshe ici, c'est Moïse. Alors, donc sortit et rapporta au peuple les paroles de Yahweh. Il rassembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Yahweh descendit dans la nuée et parla à Moshe et prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 hommes, sous les 70 hommes anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alors la Bible nous dit que le peuple, n'est-ce pas, qui était sorti, n'est-ce pas, d'Égypte,
Alors, au bout d'un moment, n'est-ce pas, pendant la marche dans le désert, alors, ils vont commencer, n'est-ce pas, à se plaindre. Un peu. Et la plainte, là, n'est-ce pas, était basée sur quoi? Parce qu'ils avaient encore de souvenirs des viandes, n'est-ce pas, des choses qu'ils mangeaient en Égypte. Donc, le fait, n'est-ce pas, que le Seigneur les avait retirés, vous voyez un peu, de toutes ces choses-là, alors, causait un problème dans leur cœur. Oui, ils ont commencé, n'est-ce pas, à convoiter les choses, n'est-ce pas, qu'ils avaient expérimentées, la nourriture qu'ils avaient mangée en Égypte, alors les choses qu'ils recevaient, qu'ils voyaient en Égypte. Alors pendant le désert, ils convoitaient, ces choses étaient ancrées en eux. Un peu, c'était des choses, n'est-ce pas, qui étaient liées à leur âme. Le fait, n'est-ce pas, que le Seigneur les avait délivrés, les avait demandé de sortir de l'Égypte, n'est-ce pas, alors n'avait pas totalement réglé le souci. Ça veut dire que le Seigneur a permis à ce qu'il passe par le désert parce qu'il y avait un travail que le Seigneur voulait faire, n'est-ce pas, dans le cœur de son peuple. Mais beaucoup ne comprenaient pas. Et plus ils étaient éprouvés, alors plus, n'est-ce pas, le Seigneur faisait remonter certaines choses qui étaient enfouies en eux. Alors nous aussi, n'est-ce pas, pendant notre marche avec le Seigneur, il y a des choses, il y a des moments où le Seigneur, n'est-ce pas, va permettre à ce que nous puissions passer par des situations. Et ces situations-là, n'est-ce pas, vont révéler certains péchés qui sont cachés, qui sont enfouis en nous. Alors, ce soir, n'est-ce pas, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un péché qui cause et qui commet beaucoup de dégâts, n'est-ce pas, dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur, n'est-ce pas? C'est le péché de la convoitise. Et ici, n'est-ce pas? Alors, ils vont désirer ardemment, n'est-ce pas, manger la nourriture de l'Égypte. Le problème n'était pas le fait de demander à manger, mais le problème, c'était qu'en fait, leur désir était devenu une obsession. Et en désirant, n'est-ce pas, vouloir manger, n'est-ce pas, la bonne viande, la bonne nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, n'est-ce pas? Ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait opéré, n'est-ce pas, comme miracle, n'est-ce pas, sous leurs yeux. Ils avaient oublié. Vous savez, le péché de la convoitise, n'est-ce pas, va t'amener à ignorer les bienfaits que le Seigneur t'a accordés, n'est-ce pas, dans ta vie, et te focaliser sur l'instant présent. Oui, ils avaient oublié tout ce que le Seigneur avait fait. Ça veut dire que le Seigneur avait divisé la mer rouge en deux. Le Seigneur avait confondu, n'est-ce pas, Pharaon et toute son armée. Ils avaient oublié que le Seigneur les avait libérés, n'est-ce pas, par sa main puissante de la servitude de Pharaon. Oui, maintenant, n'est-ce pas, pendant la marche, n'est-ce pas, ils étaient confrontés, n'est-ce pas, à la faim, ils étaient éprouvés, n'est-ce pas, quant à leur chair. Alors, ils vont désirer, ils vont convoiter, n'est-ce pas, la bonne nourriture de l'Égypte. Et ils vont oublier tout ce que le Seigneur leur avait accordé, n'est-ce pas, comme grâce. Vous savez, le péché de la convoitise, au bout d'un moment, n'est-ce pas, peut te rendre aveugle, peut t'amener, n'est-ce pas, à oublier, à ignorer tout ce que le Seigneur t'a accordé comme grâce, comme faveur. Un peu, et te contenter, n'est-ce pas, rien que sur le besoin présent. Oui, et le péché de la convoitise est un péché terrible et qui commet d'énormes dégâts dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup qui ne peuvent pas émerger, qui ne peuvent pas grandir, qui ne peuvent pas avancer avec le Seigneur parce qu'il y a ce péché-là, n'est-ce pas, qui combat, n'est-ce pas, leur âme, qui combat, n'est-ce pas, leur homme intérieur. C'est une lutte. Ouais, Yeshua va dire, celui qui regarde une femme, n'est-ce pas, et la convoite a déjà commis adultère. Vous savez, ici, n'est-ce pas, le cas n'est pas mis dans le fait de la voir une femme et de ne pas avoir. Ici, vous voyez un peu, le Seigneur, c'est comme s'il généralisait. C'est qu'il pouvait aussi mettre en évidence aussi le cœur de ceux qui sont mariés. Ça veut dire que le fait de convoiter une femme ne veut pas forcément dire que tu n'es pas marié ou bien que tu n'as pas. Tu peux aussi avoir et convoiter. Ça veut dire que la convoitise va t'amener à ignorer, n'est-ce pas, celle avec qui tu es à la maison, n'est-ce pas, et penser que c'est celle qui est dehors, qui a les atouts dont tu as besoin. C'est celle-là qu'il te faut. Alors que tu as déjà une femme qui a tout ce que celle qui est dehors aussi a. Mais la convoitise va t'amener à ignorer ce que toi tu as à la maison, n'est-ce pas, pour désirer, n'est-ce pas, ce qui est dehors. Vois un peu? Et c'est une lutte, n'est-ce pas, qui est enfuie en toi, que beaucoup ne peuvent pas voir, mais toi seul sais, n'est-ce pas, le combat qui se passe en nous. Voyez? Le péché de la convoitise, n'est-ce pas, est un péché terrible. Et dans Psaume 106, on va prendre un autre passage, Psaume 106, à partir du verset 13 au verset 15. Voyez, Psaume 106. Seigneur, nous te bénissons. Voilà, à partir du verset 13 au verset 15. Voilà, nous sommes dans Psaume 106, verset 13 à 15. Alors, la Bible nous dit ceci. On va même lire à partir du verset 7. Voilà, on va même lire à partir du verset 7. Voilà. Nos pères n'ont pas été attentifs à tes merveilles en Égypte. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes faveurs. Voyez un peu, la Bible dit que
ils n'ont pas été fidèles, n'est-ce pas, et attentifs, n'est-ce pas, aux merveilles que le Seigneur leur a fait voir en Égypte. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude des faveurs, n'est-ce pas, du Seigneur. Mais ils furent rebelles près de la mer, vers la mer Rouge. Au verset 8, « Toutefois, il les délivra pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance. Car il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les conduisit à travers les profondeurs de la mer, comme dans un désert. Il les délivra de la main de ceux qui les haïssaient, et les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent sa louange, mais, au verset 13, regardez, voyez un peu, mais ils oublièrent vite ses œuvres, et ils ne s'attendirent pas à son conseil. Ils furent épris, n'est-ce pas, de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Elohim dans le lieu de désolation. » La Bible dit qu'ils ont aussi facilement oublié, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur avait fait parce qu'ils étaient épris, ils étaient gagnés, n'est-ce pas, par la convoitise. Vous voyez, la convoitise, n'est-ce pas, va t'amener, n'est-ce pas, à aspirer à la satisfaction, n'est-ce pas, des besoins personnels immédiats. Ça veut dire que tu auras envie, n'est-ce pas, de satisfaire tes besoins immédiats et oublier, n'est-ce pas, la satisfaction, n'est-ce pas, des biens spirituels qui sont à long terme. Voyez, quand on est touché par la convoitise, on veut automatiquement, n'est-ce pas, obtenir ce dont nous désirons là. En fait, il y a une pression, n'est-ce pas, qui est en nous parce que notre âme est stigmatisée par ce péché, voyez un peu, qui nous pousse, n'est-ce pas, à désirer obtenir ardemment quelque chose et en oubliant tout ce que le Seigneur nous a accordé comme faveur, certainement des choses qui sont autour de nous. Voyez un peu. En fait, la convoitise, n'est-ce pas, c'est désirer l'interdit, c'est désirer, n'est-ce pas, quelque chose de telle sorte que cette chose devient une obsession dans ton cœur. Et ça te pousse, n'est-ce pas, à ignorer toutes les autres choses, n'est-ce pas, que le Seigneur t'a accordées. Voyez, c'est ça, n'est-ce pas, le danger du péché de la convoitise. Voyez, la Bible dit qu'ils vont oublier, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur leur a accordé comme faveur. Voyez, pourquoi? Parce que, en fait, ils étaient touchés par la convoitise. Voyez, à un moment donné, voyez un peu, on peut ignorer la grâce que le Seigneur nous accorde. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons devant nous, nous avons l'impression, n'est-ce pas, que ce que le monde nous propose, ou bien ce que nos yeux voient, n'est-ce pas, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est bon pour nous. Or, seul le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Le Seigneur sait ce qui est bon pour ses enfants. La parole de Yahweh nous dit que la bénédiction du Seigneur, n'est-ce pas, ne se fait sur aucun chagrin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tyrannie. Un peu, quand le Seigneur bénit, n'est-ce pas, il apporte quoi? Il apporte la paix. Or, nous, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que pour nous, n'est-ce pas, nous avons une autre façon, n'est-ce pas, de concevoir les choses, mais cette façon-là qui est contraire à la pensée du Seigneur. Et voilà comment, n'est-ce pas, nous tombons, n'est-ce pas, dans beaucoup, beaucoup de choses, dans beaucoup de dérives, n'est-ce pas, dans beaucoup de combats, dans beaucoup de pièges, n'est-ce pas, que le diable, n'est-ce pas, met devant nous. Voyez un peu. Et ce péché, n'est-ce pas, de la convoitise, là, vous voyez, ça veut dire quand quelqu'un est touché par le péché de la convoitise, c'est pas un péché, n'est-ce pas, qu'on peut voir à vue d'œil. Ça veut dire que ce n'est pas un péché physique. Ce n'est pas un péché qu'on peut toucher. Ça veut dire que ça se passe dans ton cœur. C'est dans ton cœur que ça se passe. Vous voyez un peu? Mais toutefois, c'est vrai que quand le Seigneur nous a donné une sagesse, n'est-ce pas, poussée par l'Esprit, on peut discerner, n'est-ce pas, hein, les signes qui accompagnent une personne, n'est-ce pas, qui est affectée, n'est-ce pas, qui est ensemencée par ce péché. Vous voyez un peu? Mais c'est un péché qui est caché. Ça veut dire que ce sont les péchés qui sont liés à l'âme. Vous voyez? Et l'âme, n'est-ce pas, c'est le siège de nos émotions. Ça veut dire que le péché de la convoitise, n'est-ce pas, va contrôler tes émotions. Le péché de la convoitise, n'est-ce pas, va contrôler ton être, n'est-ce pas. Ça veut dire que ça peut même, n'est-ce pas, influencer ton comportement, ta façon de te comporter, n'est-ce pas, au milieu des frères et sœurs, au milieu, n'est-ce pas, de ta famille, même dans ton lieu de travail. Ça peut influencer, n'est-ce pas, la relation, n'est-ce pas, que tu as avec tes collègues. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es touché par ce péché. Ça veut dire que ce péché-là, ou un peu, va faire en sorte que tu vas te sentir mal. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras à côté de quelqu'un, n'est-ce pas, voyez un peu, alors que dans ton cœur, tu convoites ce que la personne-là a, tu ne pourras plus être totalement libre, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette personne. Tu te sentiras mal, tu vas te sentir mal, parce qu'en toi, n'est-ce pas, il y a une lutte, il y a un combat, n'est-ce pas, qui se passe en toi. Personne ne le sait, voyez un peu, mais seul toi, n'est-ce pas, tu sais ce qui se passe, et Yahweh bien sûr aussi, parce que la Bible dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Voyez, c'est des péchés, n'est-ce pas, c'est des péchés qui nous dominent, c'est des péchés, n'est-ce pas, qui nous contrôlent. Et lorsque nous ne faisons plus attention, frères et sœurs, voyez, et ce sont, n'est-ce pas, ces péchés qui détruisent beaucoup des chrétiens dans ces temps de la fin.
les péchés qui sont liés à l'âme. Voyez, aujourd'hui, nous commençons, n'est-ce pas, par le péché de la convoitise. Voyez, la convoitise, ça veut dire le fait de désirer, n'est-ce pas, ce qu'a l'autre. Voyez un peu, et en oubliant que le Seigneur nous a aussi donné des choses, n'est-ce pas, qui sont propres, n'est-ce pas, à la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, par rapport à notre vie. Voyez, mais l'homme parfois finit par mépriser ce que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a confié et désirer, n'est-ce pas, ce qu'a l'autre. Voyez un peu, tu vas commencer à convoiter. Et la convoitise, n'est-ce pas, peut engendrer, n'est-ce pas, d'autres péchés, comme le mensonge, n'est-ce pas, comme l'orgueil, ou un peu, ou encore le meurtre. Voyez, ce sont des péchés, n'est-ce pas, de l'âme, les péchés, n'est-ce pas, qui font la guerre à l'âme. Et dans 1 Pierre chapitre 2, un peu, 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, 1 Pierre 2, verset 11, voilà, voilà, Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, 11, alors, on va faire la lecture, 1 Pierre 2, 11. Voilà, il dit, mes bien-aimés, voilà, je vous exhorte comme étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs. Dans d'autres versions, c'est des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, la convoitise charnelle. Vous voyez un peu, non? La convoitise est une œuvre de la chair. Allez, et la convoitise a fait la guerre à ton âme. Ça veut dire que c'est une guerre. Ça veut dire que la convoitise veut contrôler tes émotions, veut contrôler, n'est-ce pas, tes désirs, veut t'amener, n'est-ce pas, à ignorer, n'est-ce pas, à ignorer ce que toi tu as, n'est-ce pas, et qui est bien pour toi, que le Seigneur t'a accordé, ouais, à aspirer à autre chose, n'est-ce pas, qui n'est pas bon pour toi. Et voilà pourquoi dans Jacques chapitre 1, voilà, nous allons le lire, n'est-ce pas, Jacques chapitre 1, ouais, à partir du verset 12, Épître de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 12. Seigneur, merci pour ta parole. Béni est l'homme qui endure la tentation, car ayant été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, je suis tenté par Elohim. Ouais, la parole de Yahweh nous dit, n'est-ce pas, hein, que personne, lorsqu'il est tenté, n'est-ce pas, ne doit dire, n'est-ce pas, il a été tenté par Elohim. Car Elohim ne peut être tenté par le mal. Elohim, n'est-ce pas, ne peut pas tenter quelqu'un, n'est-ce pas, par le mal. Vous savez, il y a beaucoup qui disent que non, si c'est tombé, mais c'est parce que c'est Elohim, c'est Dieu qui a voulu. Non, 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 non. Ça veut dire qu'en fait, ta chute, n'est-ce pas, a été le processus, n'est-ce pas, de quelque chose qui a été enclenché par quoi? Par la convoitise. Vous savez, regardons un peu dans le jardin. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, n'est-ce pas, que le serpent, n'est-ce pas, le diable va s'incarner par le serpent. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va venir réveiller quelque chose qui était certainement endormi, n'est-ce pas, dans la femme. Ou un peu, le diable va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous n'en mangerez pas, ou un peu, de cet arbre? Voilà. Quoique le diable savait que Dieu avait interdit Adam et Ève, n'est-ce pas, de ne pas toucher au fruit de cet arbre. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va susciter, n'est-ce pas, une question subtile dans le but de faire quoi? De réveiller quoi? Là, la convoitise. Ou un peu, la convoitise, c'est la chair. Parce que la convoitise est une œuvre de la chair. Ou un peu, c'est les choses, c'est les péchés qui sont parfois, qui sont enfouis en nous. Ou un peu, non? Alors que nous sommes censés dominer en faisant comment? En nous soumettant à la parole. Alors, le diable va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, n'est-ce pas, de ne pas manger le fruit de cet arbre? Alors, quoique il connaissait que c'était, le Seigneur les avait interdit, n'est-ce pas, de ne pas toucher à l'arbre, au fruit de cet arbre-là. Il dira, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit de cet arbre? Et la femme va dire, oui, oui, oui. Le Seigneur a dit de ne pas, qu'on ne doit pas manger. Parce que le jour où on en mangera, n'est-ce pas, on mourra et on mourra certainement. Un peu. À partir de là, la Bible nous dit que, et la femme vit, n'est-ce pas, que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle va voir. Ça veut dire que, et pourtant, bien avant que le serpent, n'est-ce pas, ne vienne discuter avec la femme voyait certainement ses fruits. Et ces fruits ne provoquaient rien en elle. Mais il a fallu, n'est-ce pas, que le serpent arrive et pose une question subtile et que tout d'un coup, pop, un peu, il y a eu comme si quelque chose, il y a eu un déclic, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la vie de la femme. Et automatiquement, les yeux de la femme se sont tournés, n'est-ce pas, vers le fruit. Vous un peu? Et le fait, n'est-ce pas, que le regard était épris par la convoitise, alors il y a eu un désir ardent, n'est-ce pas, de consommer ce fruit, quand bien même il avait été interdit par Yahweh. Vous voyez? C'est que le diable, n'est-ce pas, alors il va permettre certaines situations, n'est-ce pas,
pour nous amener, n'est-ce pas, pour affecter notre cœur par quoi? Pour réveiller, n'est-ce pas, réveiller des choses qui sont enfuies en nous. Des choses qui sont enfuies en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner. Un véritable chrétien, n'est-ce pas, doit discipliner son regard. Un véritable chrétien, n'est-ce pas, ne doit pas écouter n'importe quoi. Nous devons nous discipliner. Parce que le diable, n'est-ce pas, va attaquer par la vue. Il va attaquer par le manger et il va aussi attaquer par lui, par ce que tu entends, ce que nous écoutons. Nous ne devons pas, vous voyez, nous ne sommes pas des poubelles. Vous savez, les chrétiens des temps modernes, vous voyez, on est tellement modernes qu'on écoute tout, on accepte tout. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent dans plusieurs travers, dans beaucoup de combats, parfois inutiles, les combats où le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous voit pas. Pourquoi? Parce que la notion de la discipline, n'est-ce pas, ne fait plus partie, un peu, n'est plus en nous. Un peu, on ne prend plus plaisir, n'est-ce pas, à nous discipliner. On ne prend plus, n'est-ce pas, plaisir à nous poser, n'est-ce pas. C'est un principe. Oui. Et le diable, n'est-ce pas, détruit beaucoup de chrétiens comme ça. Détruit beaucoup de chrétiens. Vous voyez? On voit beaucoup, n'est-ce pas, des chrétiens, par exemple, aujourd'hui, qui prennent plaisir à passer du temps avec des sœurs. Or, nous savons que deux sexes opposés, il y a toujours attraction, il y a toujours attirance. Ça veut dire, toi, tu es enfant d'Elohim, tu te dis enfant du Seigneur, mais tu passes du temps avec les sœurs, tu passes trop du temps avec les sœurs, ou un peu, et à chaque fois que tu es en contact avec les sœurs, frère, le fait d'être, tes yeux, n'est-ce pas, sont toujours en contact, n'est-ce pas, avec le corps des femmes, ainsi de suite. Ça peut réveiller quelque chose en toi. Et tu peux commencer à avoir des songes où un démon peut apparaître pour te dire que non, Dieu t'a dit que telle sœur là, c'est là ta femme, alors que ce n'est pas le Seigneur. Mais parce que tu as passé trop du temps avec, n'est-ce pas, des personnes de sexe contraire à toi. Tu vois un peu? C'est que ce n'est pas un péché, ou un peu de le faire. Mais toutefois, n'est-ce pas, nous devons apprendre à nous discipliner. Vous voyez? Si un frère et constamment avec des sœurs, avec des sœurs, avec des sœurs, avec des sœurs, vous savez, le diable peut passer par là, n'est-ce pas, pour s'aimer quelque chose dans son cœur. Et il va commencer, n'est-ce pas, à convoiter. Vous un peu, tu peux commencer à convoiter une femme, une sœur, n'est-ce pas, qui est jolie. Vous un peu, le fait, n'est-ce pas, d'être en contact avec elle et voyant que c'est une sœur, n'est-ce pas, qui a beaucoup de potentiel, alors dans ton cœur, n'est-ce pas, tu peux, un sentiment peut naître. Et là, tu peux commencer, n'est-ce pas, à convoiter. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de faire. Ouais, un peu, Paul dit, tout m'est permis, n'est-ce pas, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile. Ouais, pour un enfant du Seigneur, n'est-ce pas, aller à la plage, ouais, un peu, les dimanches, comme tout le monde le fait, allez, on va à la plage, n'est-ce pas, se détendre. Oui, c'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché, mais en allant à la plage, n'est-ce pas, dans ces endroits, tes yeux peuvent être en contact, n'est-ce pas, avec la nudité, un peu, des femmes ou des hommes. Et à partir de là, n'est-ce pas, peut naître un péché, la convoitise. Tu peux commencer à convoiter. Et la convoitise peut t'amener à quoi? À la masturbation. Vous voyez? Ça veut dire, le diable, n'est-ce pas, est tellement subtil que nous devons de plus en plus nous armer de quoi? De la parole. Rester sur la parole. Vous voyez? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, David disait, je serre ta parole dans mon cœur, n'est-ce pas, afin de ne pas pécher contre toi. C'est que lorsque nous nous éloignons, n'est-ce pas, des principes de la parole, frère, nous sommes exposés à succomber au piège du diable. Parce que notre ennemi, n'est-ce pas, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, le diable veut dévorer les hommes. Son but, n'est-ce pas, c'est de les amener en enfer. Et il va user, n'est-ce pas, de tous les moyens nécessaires pour maintenir, n'est-ce pas, l'homme dans un état de péché. Alors, donc, frères et sœurs, donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous devons veiller. Nous allons continuer la lecture dans Jacques. Vous voyez? Oui, la Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, ne peut tenter personne par le Seigneur ne peut tenter personne, n'est-ce pas, par le mal, un peu. Et au verset 14, la Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Vous voyez, la Bible dit, on va relire ce verset, le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé. Donc il y a d'abord l'attirance. Ouais, un peu. Et ensuite, n'est-ce pas, tu es attrapé. Donc, c'est tout un processus. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible nous dit dans 2 Jean, là-bas, qu'un chrétien ne peut pratiquer le péché. Ouais, un peu, parce que la conséquence, n'est-ce pas, de la pratique du péché, n'est-ce pas, c'est le résultat de plusieurs étapes avant que tu n'arrives, bien sûr, à la mort. Ouais, un peu. La Bible dit que, n'est-ce pas, il y a d'abord l'attirance et ensuite tu es attrapé. Attrapé, c'est comme si tu étais dans un piège. Ouais, un peu. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, ont du mal à pouvoir se dégager de certains péchés. Parce qu'en fait, il y a eu tout un processus qui était enclenché, n'est-ce pas, avant de te retrouver, n'est-ce pas, d'où tu es en ce moment.
Et quand on est enfant du Seigneur, n'est-ce pas, le rôle de l'Esprit est de nous convaincre quoi de du péché. Ça veut dire que l'Esprit, n'est-ce pas, va t'interpeller à l'instant où, n'est-ce pas, ton cœur, n'est-ce pas, commence déjà à être attiré par le mal. L'Esprit va t'interpeller et automatiquement, tu vas renoncer, tu vas refuser. Mais malheureusement, n'est-ce pas, beaucoup succombent. Un peu. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il y a des frères qui peuvent inviter une sœur à deux dans la chambre pour dire non, on va prier à deux, on va prier, on va prendre des temps de jeûne et de prière à deux, avec une sœur dans la chambre. Parce que vous êtes chante, ou vous êtes intercesseur, ou bien quoi, je ne sais pas. Voyez un peu, mais ça, c'est des risques. Et après, quand on tombe, on dit, oh non, c'est le Seigneur qui a prévu, le Seigneur m'a tenté. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est ta convoitise. Et le diable, n'est-ce pas, a tout simplement profité de l'occasion, n'est-ce pas, pour t'amener à la chute, pour détruire ta vie de prière, ta vie de sainteté, pour détruire ta communion avec le Seigneur. Frère, c'est des erreurs, n'est-ce pas, que nous ne devons plus faire, nous ne devons plus commettre ce genre d'erreurs. Non, ça nous éloigne du Seigneur, ça casse notre intimité avec le Seigneur. Et il dit attraper, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque nous sommes attrapés, ou un peu, la Bible dit avec un appât. Vous voyez, donc ça veut dire il y a toujours l'appât. Il y a toujours un appât. Vous savez, lorsqu'on va pêcher, n'est-ce pas, du poisson, on met toujours l'appât, n'est-ce pas, sur l'hameçon. Et, n'est-ce pas, c'est l'appât là qui amène le poisson à tomber, n'est-ce pas, dans le piège. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le diable va utiliser l'appât. Vous voyez un peu, les enfants d'Israël, les Israélites, n'est-ce pas, dans le désert, l'appât, c'était quoi? C'était la bonne nourriture empoisonnée qu'ils mangeaient en Égypte. Cette nourriture qui leur rendait esclaves. Vous voyez un peu? Mais toi, n'est-ce pas, l'appât peut être la femme ou bien l'homme. N'est-ce pas, la part, n'est-ce pas, pour toi peut être aussi ce désir ardent, n'est-ce pas, de connaissance que tu as. Ou un peu, ça peut être un danger pour toi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs appâts, n'est-ce pas, que le diable peut mettre en place, n'est-ce pas, dans le but de nous attirer afin, n'est-ce pas, de nous mettre dans un piège. Alors, donc, en tant qu'enfant du Seigneur, n'est-ce pas, nous devons avoir le discernement pour comprendre que là, cette chose-là, n'est-ce pas, peut représenter un appât pour moi. Alors, donc, je fais comment? N'est-ce pas, je renonce, je refuse. Ouais, un peu. Et la suite nous dit, ouais, un peu, avec un appât, par sa propre convoitise, ouais, un peu. Donc, ça veut dire que la convoitise, n'est-ce pas, est liée à quoi? À l'appât qui est devant toi. Oui. Ça me rappelle une histoire, un jeune homme à qui son père avait confié la responsabilité d'aller acheter, n'est-ce pas, les unités Eden. Et lorsqu'il arrive dans un magasin, alors il a vu tellement une belle chaussure qui brillait et la chaussure-là a frappé, n'est-ce pas, son regard. Il était tellement touché, frappé par la chaussure que le désir, n'est-ce pas, d'acquérir la chaussure, n'est-ce pas, a hanté son cœur, ouais, un peu. Et il a oublié que le papa l'avait remis les 50 000 francs là pour acheter les unités. Et il est rentré, n'est-ce pas, à City Sport. Et il a acheté la chaussure de 30 000. Et il a mis les unités de 20 000. Un peu, il est venu mettre les unités de 20 000 dans le compteur. Et quand le père est rentré le soir, et le père lui a demandé, mais est-ce que tu as obéi? Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé de faire? Il a dit au père, oui. Un peu, il a menti. Un peu. Ça veut dire que la convoitise, frère, va t'amener, n'est-ce pas, va en tirer, n'est-ce pas, une succession d'autres péchés. Alors voilà pourquoi, frère, nous devons davantage veiller, afin que, n'est-ce pas, nous ne soyons pas affecté, n'est-ce pas, par ce péché. Vous voyez, il va mentir. Mais n'oublions pas que, frère, le mensonge finit tôt ou tard, n'est-ce pas, par te rattraper. En allant consulter le compteur, n'est-ce pas, le papa s'est rendu compte que 50 000 francs ne faisaient pas le nombre d'unités qui étaient dans le compteur. Vous voyez, et il s'était retrouvé dans des problèmes. Vous voyez, ça veut dire, vous voyez l'appât, c'était quoi? C'était la chaussure. Or, le but pour lequel, n'est-ce pas, il avait été envoyé, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, ce n'était pas la chaussure. Mais en partant, il n'a pas discipliné son regard. Il a vu la belle chaussure et automatiquement, n'est-ce pas, son cœur a été poussé, n'est-ce pas, à un désir excessif de posséder cette chaussure-là. Et ça l'a mené, n'est-ce pas, à commettre un acte ignoble. Frère, et le diable, n'est-ce pas, utilise, n'est-ce pas, cette même technique, n'est-ce pas, pour captiver, pour asservir beaucoup d'enfants de Dieu ou encore aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Vous voyez un peu? Et on continue, n'est-ce pas, au verset 15, la Bible dit, et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Ou un peu, donc ça veut dire que la convoitise, dès qu'elle conçoit, ouais, un peu, c'est un processus, n'est-ce pas, enfante quoi? Enfante le péché. Et le péché étant accompli, donc ça veut dire que le péché a besoin d'être accompli. Donc littéralement, le péché a besoin d'être bien formé en toi.
Donc ça veut dire que, vous voyez, que c'était un processus. Ou un peu. Et le péché étant accompli, engendre quoi? La mort. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup se rendent compte que la vie des prières qu'ils avaient, n'est-ce pas, les dons qu'ils manifestaient, l'amour ardent qu'ils avaient pour le Seigneur a complètement disparu. Pourquoi? Parce que la mort s'est installée un peu. Parce que la conséquence, n'est-ce pas, de la séparation de l'être humain avec Elohim, c'est quoi? C'est la mort. Et la cause, c'est le péché. Un peu. Le péché, n'est-ce pas, la conséquence du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que le péché étant accompli, voyez un peu, donc le péché, n'est-ce pas, doit s'accomplir, doit s'établir en nous, n'est-ce pas, doit s'enraciner et ça produit à la mort. Mais avant d'arriver à la mort, frères et sœurs, il y a eu tout un processus. Vous comprenez que avant, n'est-ce pas, que le péché, n'est-ce pas, qu'on arrive à la mort ou qu'on ne pêche, voyez un peu, il y a des étapes que le diable mettra devant vous. Il y a des appâts que le diable va mettre devant vous. Un peu, si tu sais que ton problème, n'est-ce pas, a toujours été lié à l'impudicité ou au sexe, un peu, alors discipline-toi, n'est-ce pas, à ne pas te retrouver avec une femme. Parce que chacun de nous connaît qui il est. Nous tous, nous sommes censés, n'est-ce pas, connaître nos faiblesses. Un peu. Si tu sais que c'est l'alcool, alors évite, n'est-ce pas, de fréquenter des lieux où, n'est-ce pas, tu seras exposé à l'alcool. Si tu sais que c'est le tabac, alors tu dois te discipliner. Paul nous dit que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Et le diable, n'est-ce pas, sait ce qui nous tenait à servir dans le monde. Vous voyez un peu? Avant que nous soyons aujourd'hui chrétiens, frère, toi et moi, on a d'abord servi le diable dans le monde. Donc le diable nous connaît. C'est un vieux dossier que le diable sait. Il sait. Il sait ce que tu aimais dans le monde. Il sait ce qui t'a tiré. Il sait, n'est-ce pas, ce qui gagnait davantage ton cœur. Il sait. Et il va passer, n'est-ce pas, par ces mêmes choses-là pour te ramener à tes anciens vomis. Un peu, pour t'enterrer, pour te détruire complètement, pour t'amener à la mort, la séparation complète avec le Seigneur. Et le péché, n'est-ce pas, de la convoitise, n'est-ce pas, c'est le péché de l'âme. Vous voyez, c'est enfui en toi, c'est dans ton cœur, c'est là-bas où ça se passe. Le cœur est comme le moteur, n'est-ce pas, du corps. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que l'âme de toute chair, n'est-ce pas, c'est son sang. Et c'est le cœur, n'est-ce pas, qui envoie le sang, n'est-ce pas, dans toutes les cellules du corps. Donc le cœur est comme un moteur. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible nous demande, n'est-ce pas, hein, la Bible nous dit dans le Proverbe que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur qui viennent les sources de ta vie. Ça veut dire qu'en fait, dès que notre cœur, n'est-ce pas, est touché par le péché de la convoitise, ou un peu, la convoitise va affecter, n'est-ce pas, plusieurs cellules de notre vie, n'est-ce pas, et on sera complètement sous le contrôle des désirs charnels. Et ces désirs charnels, n'est-ce pas, vont nous amener à quoi? Au péché. Alors, bien-aimés, et pour ne pas, n'est-ce pas, comment faire pour ne pas nous laisser dominer par ces péchés? Alors, tout simplement, la Bible nous dit, Yeshua nous le dit dans les évangiles, il dit, n'est-ce pas, le royaume appartient aux violents. Nous devons davantage nous faire violence. Un peu. La violence, n'est-ce pas, ne veut pas dire que ce péché-là, n'est-ce pas, ne peut pas te toucher. Non, il peut te toucher, mais tu vas tout simplement, n'est-ce pas, refuser de te laisser dominer, n'est-ce pas, par ce péché de la convoitise. Vous voyez, à Ève, elle ne s'était pas fait violence, un peu, elle a succombé, n'est-ce pas, à la tentation. Et le péché a pris, n'est-ce pas, de l'ampleur. Le péché a dominé, le péché a pris le dessus. Mais nous, en Yeshua, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de refuser, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, un peu, de refuser, n'est-ce pas, de nous laisser asservir, de nous laisser dominer, n'est-ce pas, par ces péchés de la convoitise. Un peu, afin de pouvoir tenir ferme. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vous voyez, bien aimé. Donc, comprenons que le diable, n'est-ce pas, son but, n'est-ce pas, c'est de réveiller des choses qui sont enfouies en nous. Alors voilà, n'est-ce pas, voilà pourquoi il va se servir des appâts. Il va se servir de beaucoup de voies, de beaucoup de choses, n'est-ce pas, les choses que nous voulons, les choses que nous aimons. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, on va terminer par là, 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 15, 1 Jean chapitre 2, voilà, Yohanan au chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le monde a une figure que le monde nous présente. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de la face, n'est-ce pas, la figure de ce monde. Vous voyez un peu? La figure de ce monde, n'est-ce pas, est composée des choses qui brillent. Mais derrière ces choses qui brillent là, il y a un piège terrible.
Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, nous exhorte, le Seigneur nous exhorte dans sa parole, de ne pas aimer le monde. Ça veut dire, tu peux, n'est-ce pas, hein, être chrétien et toujours avoir le désir du monde dans ton cœur. Voilà pourquoi, vous avez tout à l'heure, on a lu les Israélites dans le désert, n'est-ce pas, sont tombés dans le piège de la convoitise. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils n'ont pas laissé le Seigneur guérir leur cœur. Le Seigneur savait que leur cœur était encore malade et le Seigneur a permis à ce qu'ils passent par le désert. Un peu. Alors, comme parfois, le Seigneur peut permettre des temps difficiles dans la marche. C'est parce qu'il veut travailler notre cœur. Il dit, n'aimez pas le monde, n'est-ce pas? Ni les choses. Donc, dans le monde, il y a des choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Vous voyez un peu? La convoitise de la chair. Ça veut dire que la convoitise vient réveiller, n'est-ce pas, les désirs de notre chair. La convoitise de la chair. Et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Vous voyez un peu? Donc la convoitise de la chair, vous voyez un peu, et la convoitise des yeux. Vous voyez, les désirs de notre chair. Vous voyez un peu? Et ce que nos yeux regardent, ce qu'on voit, la convoitise des yeux. Vous voyez un peu? Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, font la guerre à notre âme. Ces choses-là, n'est-ce pas, veulent t'amener à ne pas obéir à la parole d'Élohim, à ne pas te sanctifier, à ne pas marcher, n'est-ce pas, en accord avec la parole de Dieu. C'est un combat, n'est-ce pas, que tu dois mener au quotidien. Une vie de discipline. Oui, parce que c'est des péchés, n'est-ce pas, qui nous éloignent du Seigneur. Oui, les péchés de l'âme, n'est-ce pas, peuvent nous empêcher à ne pas rentrer dans le plan parfait, n'est-ce pas, que le Seigneur a prévu pour nous. Parce que quand tu es touché, n'est-ce pas, par ces péchés, ouais, peu, ces péchés-là sont cachés, ouais, un peu, mais ça opère, ça, ces péchés-là, n'est-ce pas, font un travail terrible dans notre cœur. Un peu, les péchés comme le mépris, le péché comme la convoitise, un peu, les péchés comme la jalousie, c'est des péchés qui sont cachés en nous, c'est caché en nous. Mais ça combat, ça te combat. Ça exerce une pression, n'est-ce pas, dans ton nom intérieur. Un peu, il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont même touchés par, un peu, par le complexe d'infériorité, un peu, ou le complexe de supériorité. C'est que pour d'autres ils incarnent tellement le rejet ou un peu ou la pitié que ils ont même du mal à discerner quand le Seigneur, n'est-ce pas, leur accorde des grâces. C'est Dieu, ah, ma vie est liée comme ah, ce sont les choses de ma vie. Ouais, ah, ma vie est composée de choses comme ça. Vous voyez un peu, ça veut dire que un tel langage montre qu'en fait dans ton cœur tu es malade. Ton cœur est touché un peu et si ces péchés là, n'est-ce pas, sont liés au péché de l'âme. C'est les péchés qui nous détruisent à petit feu. Alors, bien aimé, ce soir, n'est-ce pas, voilà ce que j'avais à cœur, n'est-ce pas, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de pouvoir nous partager. Certainement, n'est-ce pas, prochainement, on pourra amplifier, on va encore toucher, n'est-ce pas, d'autres péchés, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, nous éclaire davantage, parce que les temps sont mauvais. Un peu, hein? Le péché de la convoitise ne se limite pas seulement au sexe. Un peu, non, ce n'est pas seulement le sexe. Alors, le Seigneur nous a permis ce soir de comprendre que ces péchés-là, n'est-ce pas, peuvent être un désir excessif, n'est-ce pas, de connaissance ou de possession, ou un peu, ou d'influence. Vous voyez un peu, ça peut être le péché de la convoitise, n'est-ce pas, peut t'amener à ignorer, n'est-ce pas, les bienfaits que le Seigneur, la grâce que le Seigneur t'a accordée, d'autres faveurs que le Seigneur t'a accordées, et aspirer, n'est-ce pas, à autre chose, certainement que le Seigneur t'interdit même, n'est-ce pas, de ne pas toucher. Ou des choses que le Seigneur ne veut pas t'accorder, les choses que le Seigneur ne veut pas te donner. Un peu. Mais comme dans ton cœur, n'est-ce pas, tu penses que le fait d'avoir, n'est-ce pas, ou de rentrer, n'est-ce pas, en possession de ces choses-là, n'est-ce pas, ça va combler, ça va apporter une certaine joie, une certaine paix à ton cœur. Alors, ça devient une obsession et ça te contrôle et ça te pousse, n'est-ce pas, à pécher contre ton Créateur. Alors, nous ne devons pas agir ainsi. Frères et sœurs, soyons vigilants. Les temps sont mauvais. Le diable a mis beaucoup de choses en marche, n'est-ce pas, pour séduire beaucoup, pour faire sortir, n'est-ce pas, les gens de la pensée du Seigneur, pour faire sortir les gens de la vision céleste. Alors, frères et sœurs, n'est-ce pas, nous devons davantage nous armer de quoi? De la parole du Seigneur et faire tout, n'est-ce pas, en conformité avec les Écritures. C'est lorsque nous allons nous marcher comme ainsi, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, va nous préserver des pièges que le diable mettra devant nous. Alors, frères et sœurs, soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua. Paix et grâce et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.